installé. Oui. Ce soir, on fait la fête. Hein. Et c'est comme ça où est née l'idée de dire de mettre une exploitation responsable, raisonnable. On ne peut pas dire les gens de ne plus exploiter, mais on ne peut pas aussi accepter que les gens aussi détruisent pour détruire. Et pour ça, notre objectif, c'est de travailler à la base. La base, c'est quoi? C'est les écoles qui sont nos partenaires, les écoles, les collèges, les lycées et les gens qui viennent. Donc, vous allez voir ici, Écoparc, on n'a pas de lions, mais on a, vous voyez les arbres, vous voyez les oiseaux, les insectes. Et ça permet, souvent, c'est un domaine où les élèves, beaucoup de gens, ils viennent. Et vous allez voir aussi, c'est vrai, c'est différent un peu, vous allez voir, c'est un peu différent, des forêts classées. Forêts classées, on ne peut pas y entrer comme on fait ce que vous. Mais quand même là, on demande à ce que les gens soient d'une façon un peu, d'une exploitation raisonnable. On récolte 22 palmes, on va faire certains petits poches pour des pépinières. On revient, une fois que tu fais la pépinière, cet endroit reste 3, 4 ans, 5 ans ou 6 ans sans pouvoir l'exploiter. Et là, c'est ça qui fait que, qui permet de voir cette forêt un peu touffue, différent des autres endroits qui viennent, qui dégagent pour faire des rues de montagne. Ici, à Djemberin, l'agriculture, on le met dans le viseur. Et là, ça permet de faire des poches. Donc, on va essayer de faire une visite. Et ce Casamance Copac, c'est le domaine, domaine d'expérimentation des élèves des eaux et forêts qui sont à Ziguinchor. Et aussi l'université de Ziguinchor qui envoie des étudiants pour faire des recherches. Et aussi pas mal des élèves qui viennent, même le lycée Jean Mermoz à Dakar, ils viennent ici en Soki, éducation environnementale. Donc c'est pour dire que c'est un projet pilote. On essaye si ça marche et ça nous fera plaisir de voir que dans les autres villages, que chaque village, chaque zone ait son éco-parc. En éco-parc, on peut planter, même si c'est une zone qui est détruite, on peut replanter et avoir tout ça. Donc on va vous faire votre vœu ici. Quand tu plantes, ça se recoupe. Ah, donc, voilà. Non, ça crée parce que ça donne de l'huile, ça soigne, ça fait tout, ça soigne, ça. Voilà. On va vous faire voir ça aussi, il y en a beaucoup. Et là où. Bon, vous avancez. C'est une termitière hein, qui est encore vivante. Et il cohabite avec nos. Mon père est un Aramayan vagabond. Baba.